Le combat final a commencé. À ma droite, Lego Mechanics dans son super corps mobile, super armé, super protégé, double canon calibre 30 Artemis en uranium appauvri et blindage 70 cm en alliage titane francium. On va se marrer. À ma gauche, Duke Nike et son équipe armée d'un pauvre Colt de 9 mm, d'un MP5, d'un fusil d'assaut et de deux malheureuses grenades. Eh bien mes pauvres, vous êtes mal barrés. Merci de nous le rappeler. Le combat fait rage dans l'arène. Mais qui va l'emporter? Non mais c'est quoi cette narration? Je la refais. Mais qui va pouraver grave sa mère la gueule de son adversaire? Ah bah là c'est mieux. Tu t'en sors pas mal, petit insecte. C'est bien, Black Cat, continue comme ça. Esquive, esquive. Dégrouillez-vous de trouver une solution. J'en suis déjà à la moitié du réservoir, je ne tiendrai plus longtemps. Dan, lance tout de suite un scan de ce tank, que je sache où frapper. Oh, je t'ai pas attendu pour commencer, hein. 75%. Black Cat commence à montrer des signes de fatigue au pilotage du jetpack. Et vous permettez. On se croirait la fête foraine. Quelle rigolade. Bon, elle vient, cette analyse. 95%. Et merde, Lego Mechanics vient par ici. Barrez-vous, il a arrêté de me suivre. Oh merde. Comme à la fête foraine. Toujours abattre en premier des cibles immobiles. Dan, grouille-toi. 100%. On dégage. Agile, on dirait. Cela n'a pas d'importance. Vous finirez bien par vous fatiguer. Tout ça n'est pas les feux. C'est rien de le dire. On était à un poil de cul de se faire exploser. Black Cat, recommence tes diversions. On a besoin de temps. Ok, je vais essayer. Prends ça, toi. Ah, l'insecte revient à la charge. Tant mieux, je commençais à m'ennuyer. C'est bon, on a un peu de temps. Alors, une faille? Possible. Apparemment, Lego Mechanics est complètement coupé du reste du monde dans son tank. Pour se diriger, il utilise deux super caméras vidéo qui se trouvent à ses emplacements précis. Marrant, on dirait des yeux. C'est un peu fait pour, à mon avis. Et si ces caméras sont détruites, il se passe quoi? Alors à ce moment-là, Lego Mechanics sera forcé d'ouvrir son cockpit pour voir directement ce qui se passe devant lui. Et alors, ce sera à moi de lui marrer sa gueule. Compris. Mais et si les caméras sont indestructibles? Alors on est foutus. Ah, ça, au moins le mérite d'être clair. Ah, vous vous décidez ou vous continuez à vous taper la discute? Il vous reste une carte de réservoir. Ça va, il arrive. Essaye de tenir encore un peu. Bon, d'abord les yeux, après j'avise. J'y vais. Bonne chance. Nous, on va trouver une cachette. Brouillarde. Oui, mais pas folle. C'est sympa de se sentir encouragé. Oh, Dieu. Mais bordel, qu'est-ce que t'es fou? Oh non, je n'ai plus d'essence. Alors, l'insecte ne peut plus voler? Et merde. Duke, dépêche-toi de venir m'aider. Et qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Une partie de domino? Ah, tu es là, toi. Ça tombe bien. Tu es justement celui que je voulais tuer en premier. Prépare-toi à mourir. Je reste calme. Je respire. Je vise tranquillement. J'ajuste à l'œil droit. Je bloque. Et je tire! Wow, je les tire! Mais sans effet! Et merde, les caméras sont blindées! Oh mais, tu ne croyais quand même pas que j'allais laisser mes caméras sans protection pour que le premier techno venu me les fauche sur un parking? On est foutu! C'était notre dernière chance! Hé, hey, le babot! Hein? Qu'est-ce que tu veux, toi? Ils sont de série, des essuie-glaces sur ton engin? Oh non! Merde! Ma caméra! Salope! Bien joué, pionnier! Ouais, bien visé! Oh non, c'est... Mais ça coule, ce truc! Oh non, pas la deuxième caméra! Oh non! Merde! Ingénieux! En réduisant le champ de vision des caméras à zéro, la boue a provoqué l'ouverture du cockpit! Dans ta gueule! Cette fois, on ne joue plus! Nier? Duke, avant de te tuer, en fait... Je crois que je vais d'abord te faire souffrir en tuant tous tes amis un par un, en commençant par lui. Dan! Dan, non, je t'en prie, réponds-moi, parle-moi. Duke, je t'en prie, Dan. Il ne respire plus. Dan, c'est fini. Non. Je sais que c'est dur et très douloureux de perdre un ami. Non, c'est pas possible. Mais d'un autre côté, quand on y pense, est-ce vraiment utile de s'apitoyer sur la disparition d'un tel minable? Minable?
Je t'interdis de traiter mon meilleur ami de minable! Je te demande pardon. Cette fois, Lego Mechanics, c'est toi qui es allé trop loin. Jusqu'à présent, tu n'as été pour moi qu'un déchet de plus à éliminer. Un travail de plus dans ma carrière de putain d'alien. Mais maintenant, pour avoir tué mon meilleur ami, je vais faire de toi une affaire personnelle. Et tu vas avoir le malheur d'admirer ma véritable toute-puissance. Mais merde, mon cockpit doit pas se fermer. Ça alors, j'aurais jamais cru voir ça un jour. Mais t'as quand même déjà vu Dieu en colère beaucoup de fois, non? Mais t'es vraiment cruche, ma parole. Tu as devant toi la seule personne au monde capable d'entrer en mode berserk contrôlé. Un mode berserk contrôlé? Ça existe? La première fois qu'il m'en a parlé, je n'en ai pas cru. J'ai cru qu'il était bourré, alors je l'ai mis sous la douche froide. Ah, c'est sûr, il m'a pas apprécié sur ce coup-là. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il est rapide? Lego Mechanics n'arrive même pas à l'atteindre avec ses canons. Audi, ça t'embêterait d'arrêter de bouger quand je te vise? Force-moi, connard! Avoue que ça force le respect. Je jure solennellement de ne plus jamais le faire chier. Bien, tu connais le mot solennellement, toi. Ta gueule! Ça va, je rigole. Mais en tout cas, ce combat, c'est vraiment du sport. De la vraie compétition. Quel spectacle! Alien Super Sport Plus, présenté par Zuir Boudabar et Claire Roudierco. Bien bonsoir et bienvenue dans Alien Super Sport Plus. Bonsoir Clarb. Bonsoir Slurg. Un grand combat aujourd'hui dans Alien Super Sport Plus, si je ne m'abuse, Clarb. Tout à fait Slurg, puisqu'il oppose notre bien-aimé Lego Mechanics de la communauté universelle Alien à Duke Nike, le tristement célèbre buteur d'aliens en puissance en provenance de la Terre. Terre que nous essayons de conquérir depuis pas mal d'années sans succès. Ce qui est tout de même fâcheux. Combat très important aujourd'hui donc, mais Lego Mechanics semble malheureusement en bien mauvaise posture. En effet, Slurg, Lego Mechanics n'a plus l'usage de ses caméras vidéo, ce qui empêche la fermeture de son cockpit blindé. Ce qui le laisse non protégé à la portée des tirs de ce duc de malheur. D'autant plus que notre alien favori n'est pas suffisamment précis pour ajuster correctement ses tirs sur cet humain particulièrement rapide. Oh là là, voilà que Duke Nike vient de grimper sur le tank de Lego Mechanics, qui essaye de le frapper avec ses bras mécaniques. C'est incroyable. On se retrouve après la pub. N'ayez plus l'air con avec vos phares et vos caméras crades sur vos véhicules stellaires. Optez pour le bon choix. Prenez les essuie-glaces anti-crasse Brix. Brix pour tous les véhicules galactiques. Et nous voici de retour dans Alien Super Sport Plus, où Duke est monté sur la carcasse du tank de Lego Mechanics, qui essaye de le repousser. Mais l'humain est beaucoup trop rapide, ce qui fait que notre alien adoré se donne des baffes à lui-même. Ce qui est bien navrant, vous en conviendrez. Aïe, mais ça fait mal. Éteins. Tout à fait d'accord. Oh là là, coup de théâtre! Duke Nike vient de trébucher et de tomber à la renverse, ce qui donne à Lego Mechanics le temps d'aller nettoyer ses caméras avec un chiffon dont je n'arrive pas à distinguer la marque. Oh! Duke Nike vient de lancer des grenades en direction du cockpit qui est en train de se refermer. Ça y est, le cockpit blindé vient de se refermer, mais j'ai un doute affreux. Je vous avoue que moi aussi. L'issue du combat est proche. Oh mon dieu, c'est horrible! Les grenades ont explosé à l'intérieur du cockpit et Lego Mechanics est expulsé KO hors de son tank. Quelle déception! Quelle tristesse! Quelle tragédie pour... Hé, les deux gus dans la loge! Arrêtez de dire vos bêtises, sinon je vais venir vous soigner, moi! Il me semble que l'émission touche à sa fin. Absolument, c'était donc Alien Super Sport Plus à jamais pour un pas nouveau spectacle. Ciao, bye! Slurg, les capsules d'évacuation temporelle sont par là. Allons-y, je te suis. Bravo, Duke. C'était grandiose. C'est bon, j'ai la clé. On peut partir. Mais pauvre Dan. Quel malheur. Il nous manquera beaucoup. Nous lui offrirons une sépulture décente quand nous serons rentrés. J'y veillerai. Moi aussi. Je l'aimais bien. Entendu. Dan, tu étais plus qu'un ami pour moi.